Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, j'ai pas la meilleure tête pour ouvrir un vlog, mais aujourd'hui ça va être une journée un peu ménage, donc je me suis pas maquillée, je me suis pas vraiment coiffée, je me dis que ma récompense ce sera la baignade dans la piscine. Quelqu'un a parlé de pas avoir une meilleure tête, j'ai ce qu'il faut. Ça va pas. On va couper tout ce qui dépasse. Non, en fait, il a laissé raser, c'est pour ça. Rassurez-vous. Tu laisser aller. Chill, t'as pas le temps. 3 cm de barbe. Il ressent le besoin de toujours s'incruster sur mes vidéos. Vous avez remarqué ou pas? Je sentais qu'il allait venir. Est-ce que ça dérange quelqu'un que je sois là? Va te raser, tu seras bien. Oui. Reviens raser, vous verrez. Bref, du coup, je vous prends avec une tête, voilà. Mais parce que moi, perso, dans les journées ménage. Je m'habille pas, je me coiffe pas, je me maquille pas. Et en plus là il fait une chaleur. Il doit être 10h du matin. Mais la journée est prévue très très chaude. Et du coup je me dis que ma récompense ça sera une bonne baignade, vu que maintenant on a une piscine dans le jardin. Et hier j'ai bossé toute la journée à faire des colis. Je les ai vus, les petits et Julien, le matin et l'après-midi dans la piscine, j'en ai rêvé. Donc hier soir je me suis baignée, mais il faisait frais, donc c'était pas pareil. Donc voilà, ce sera ma petite récompense du jour. Alors, pour commencer, on va ouvrir parce que j'ai reçu de la marque Ultenic un aspirateur. Alors, je pense que vous avez dû voir passer des vidéos sur YouTube parce que je connaissais pas trop, et du coup, j'ai regardé un petit peu et j'ai vu que pas mal de personnes l'ont reçu. Donc comme ça, vous allez avoir plein d'avis pour vous faire votre propre avis. Mais je pense qu'il va falloir le mettre en charge. Je vais le mettre en charge. On va voir où est-ce qu'on l'installe. Il faut savoir que nous, on a déjà un aspirateur. Vous vous doutez bien qu'on a déjà un aspirateur. J'ai pas attendu qu'on m'envoie un aspirateur. J'ai gentiment... Enfin, ils nous ont proposé de m'envoyer. J'ai accepté. J'étais trop contente de tester. Moi, j'adore. J'adore. Mais du coup, on a installé notre aspirateur qui est quasiment... presque identique au Ultenic, mais de marque, disons, supérieure, en tout cas de prix supérieur. Et j'étais vraiment très curieuse de tester celui-ci qui a un prix beaucoup plus abordable. Voilà. Donc on a déjà un aspirateur qu'on a fixé au mur en bas. Donc là, il faut qu'on trouve où fixer celui-ci. Moi, je me dis qu'idéalement, vu que la maison est très grande, on a presque 200 mètres carrés, parce qu'on a 195 mètres carrés pour être exact. Je me dis que ça peut être chouette d'en avoir un par étage, en fait. Ça évite déjà la batterie, moi, de mon aspi actuel, ne fait pas toute la maison en une fois. Donc, du coup, ça fait deux aspis, c'est chouette, un par étage. Je trouve que c'est pas mal. C'est du luxe, soyons clairs, c'est du luxe, mais c'est l'occasion, quoi, donc c'est cool. Donc je sais pas du tout où on va le mettre, on va regarder. Bon, du coup, avant d'ouvrir l'aspirateur, on va déjà aller étendre le linge. On va commencer par ça, on a lancé une machine. Du coup, elle est prête. Je vais l'étendre dans le jardin parce que, comme je vous ai dit, il fait super beau. L'objectif du jour, l'un des objectifs, c'est d'enchaîner les machines pour être plus ou moins... plus ou moins un jour. Je pense pas qu'on arrivera à être au top du top, mais plus ou moins un jour. Et j'aimerais également aussi, je vous ai montré... Je pense que les vidéos sont peut-être pas dans l'ordre, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a une Monstera et j'aimerais bien la baigner aujourd'hui. Du coup, faudra qu'on lui fasse sa douche aussi. Allez, go! On avait à l'époque, avant le déménagement, vous savez ce que vous achetez chez Ikea pour prendre les chaussettes. Bon, les culottes aussi, hein, mais les chaussettes. Parce que là, ça m'a saoulé. Donc il doit pas être très loin, faut que je le retrouve dans le garage. Voilà, allez, c'est parti, on continue. Du coup, je vous montre ma récompense de fin de ménage de journée. Ma motivation est là.
Bon, du coup, voici la bête. C'est lui. Juste, on l'a pas encore ouvert. On va l'ouvrir avec vous parce qu'on va voir du coup. Là, on est à l'étage. Je vous filme pas trop en fait parce que j'ai filmé des vlogs. Je sais pas dans quel sens ce sera, donc j'ai peur que ce soit redondant. Donc je vais vous montrer des petites parties de la journée de ménage. Je vais pas vous montrer toute la maison parce que clairement ça va être beaucoup trop long pour vous comme pour moi. Donc ça sert à rien. Donc là on a une prise ici, on n'a pas d'autres prises malheureusement dans le à l'étage qui est susceptible d'accueillir l'aspirateur. Parce que j'imagine, j'ai pas encore vu, mais qu'il faut qu'il soit branché pour charger, j'imagine. On a ici en fait un placard assez grand. Malheureusement, il n'y a pas de prise. C'est dommage, il aurait été parfait ici. C'est encore le bazar, hein. Je vous rappelle qu'on a emménagé il n'y a vraiment pas longtemps, il y a 2-3 semaines, et qu'il faut gérer la boutique en même temps. Mais on y arrive, on s'en sort, on avance. J'ai pas mal de ménage à faire. Vous voyez les portes. Donc c'est pour ça que je vous dis que je ne pourrais pas tout faire aujourd'hui, mais je vais vous montrer une grande partie de notre routine ménage du jour. Donc l'aspirateur, on va le déballer. Et on a également reçu avec une brosse aspirante pour les animaux. Autant vous dire que j'ai prévenu le monsieur, moi Yana, elle acceptera jamais. Il a quand même voulu qu'on teste, donc je vais vous montrer comment c'est et tout. Mais nous, Yana, c'est notre lapin, elle est peureuse et je me sens pas de lui infliger ça. Voilà. Je pense que moi, je peux y arriver. Seul toi peut y arriver, bon, on verra. Je pense que c'est plus adapté personnellement aux chiens, chats. Vous savez, les animaux qui sont pas trop heureux ou des lapins vraiment qui ont une grande confiance. Après, nous, franchement, elle a changé de caractère depuis qu'on est dans cette maison. On lui a mis un grand enclos et du coup, on a beaucoup plus d'interactions avec elle. Il faut savoir qu'on essaie de la laisser en liberté, mais le souci, c'est qu'elle mange les murs. Donc, les murs qui viennent d'être faits. Ça m'embête un peu. Donc voilà, on la laisse en liberté totale quand on est disponible à la surveiller. Sinon, c'est pas possible. Et comme le programme est assez chargé en ce moment, on lui a fait un grand enclos. Et honnêtement, elle est vachement bien dedans. Elle est trop bien dedans. Voilà, bref, tout ça pour dire que donc c'est la marque Ultenic. C'est l'aspirateur Ultenic U11 qu'on va tester. Si ça résonne, c'est parce que ce n'est pas encore meublé ici. Donc, je pense que peut-être ça résonne. Vous voyez, il faut encore qu'on rajoute le... Le radiateur qui est dans, là, dans le grenier, mais qu'il faut qu'on nettoie avant, parce que bah, les murs sont blancs, les radiateurs sont un peu jaunes. En résumé, c'est ça. Il a vieilli ouais, avec le temps. Allez, go, on l'ouvre. Alors, pour le déballer, c'est simple. Il y a deux scotch. Alors, il y a marqué push, alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais moi, je dis hop. Vous voyez, c'est aussi simple. Hein. Je ne suis pas d'avoir fait des études. Ouais, on l'a fait, mais je pense qu'il n'y a pas besoin. Ça devrait être ok. Attendez, parce que ça se trouve, il va faire une catastrophe. Et là, on va se dire catastrophe. Alors. Moi, je voudrais savoir quelle couleur il est déjà. Voir s'il va bien avec la déco. Première étape, est-ce qu'il va aller avec le déco ? Emballage 5 sur 5. Je ne filme pas trop Julien parce qu'il est torse nu, il a le bronzage là, ça lui fait un t-shirt blanc. Bon, voilà, je. J'essaie de pas le... Là, on a la surtout pour les angles. Ici, alors attendez. Ça, c'est le socle, je crois. Ça doit être le socle, oui, parce qu'il n'est pas comme le Dyson. Avec une fixation au mur, il y a un socle et un pied. Il y a peut-être ouais, ça doit être fixation ça. Au mur. Et bah, c'est ce que je me demande. Et du coup, ça sera encore mieux si c'était alors, ça. Suspense. Ouais, j'avoue, il faut qu'on regarde. Mais parce que du coup, ça serait... Ça serait chouette. Ensuite. Bon, je suis obligée de le filmer, hein, vous m'excuserez. Pas ouais, trop si je peux. J'ose pas trop de filmer. Donc la brosse, elle est comme ça. Bon, il a l'air d'être gris, il est pas moche. Il a pas une couleur moche. Moi, je voulais qu'il se fonde dans la déco en fait. Je veux pas du rouge, du bleu. Je pense qu'avec le temps. Elle va prendre. Ça laissera apparaître des saletés quoi. Il va falloir nettoyer. Ouais. J'ai vu, alors je ne sais pas si ça se fait, mais parce que je suis sur un groupe maniaque. Je ne suis pas du tout maniaque, mais j'aimerais le devenir. Et du coup, il y a des nanas qui mettent certaines pièces au lave-vaisselle. Mais des pièces, j'imagine, ne sont. Des nanas. Et des pièces qui ne sont pas électroniques, etc. Mais moi perso, je ne tenterai pas.
Voilà. Dites-moi comment vous les nettoyez, vous, vos petites brosses comme ça, de l'eau, du savon, de l'eau. Après, je pense que dès que, enfin, vous évitez tout ce qui est électronique, électrique, voilà. Donc voilà où on en est. J'ai hâte de le voir monter en fait. Et aspirer. Ça, à mon avis, c'est l'accroche accessoire. Nous l'appellerons le papillon ou le drone, comme vous voulez. Bzzz. Ça fait un peu comme le drone. Hop! Vous avez vu, je fais ça bien. Hein. Pour celles qui seraient intéressées, je le dis maintenant parce que je vais oublier. Je crois qu'il y a un code promo avec un code. Ça, c'est le chargeur, le socle. Je vous le donnerai. Des cartons, toujours des cartons, des cartons. Brousse. Bon, je vais pas trouver. Je vais pas trouver. Ici. Ah, c'est peut-être pour nettoyer ça, non ? De nettoyage. Le manuel, ouais. Manual, le manuel de la riva. Il est en forme aujourd'hui. Donc il y a un truc avec un crochet avec un cutter, ça doit être pour ouvrir ou déchirer quelque chose. Voilà, donc à la fin ça se présente comme ceci, comme cela. Voilà, et je vous ai dit, donc niveau prix, je vous l'afficherai, mais il est beaucoup plus accessible. Et ici, messieurs, dames, pour ce qui intéressera plus les messieurs, le moteur V12. C'est pas ah, ah. Il y a déjà un peu de batterie. Je sais pas comment ça va, parce que j'ai appuyé, j'ai lâché, c'est automatique. Ah. Et vous allez vous économiser. Non, c'est bien du coup. Deuxième accélération. Là, parce que... Ah, il n'y a plus de batterie. Voilà, vous avez tout vu. Donc, ça, c'est le dernier Net Ultra, c'est le Nimbus 2000 du SOS Phantom. Avec ça, vous chassez tous les fantômes sans problème. Ghostbuster. Casper, viens par là. Donc là, il y a des tiges, je pense que ça doit être bah, pour fixer au socle. Ok. Donc, hop, voilà. Et enfin, de l'enfin. Y a-t-il encore quelque chose? Ce sans quoi rien ne serait possible. C'est quoi? Ah bah oui. Forcément. Il faut savoir que nous, dans notre maison actuelle, donc notre maison, celle-ci, on a décidé de faire une déco blanc, bois, vert. Ouais, c'est pas ce vert là. Mais ça, c'est. Je te dis que c'était trompé sur la poule. On a rien demandé, hein, je vous rassure. Je pense pas qu'on puisse choisir la couleur. Mais déjà, c'est pas du rouge. On reste quand même dans les mêmes tons, c'est déjà cool. Alors. Parce que tout dépend où est-ce qu'on va le mettre. Ça, c'est fait, n'est plus à faire. Donc, l'avantage c'est que celui-là, on le fixe. Bon, je vais lui demander de mettre un t-shirt pour le filmer. J'étais un peu mal à l'aise, je vous avoue. Non, mais je me suis dit, je veux pas. Voilà. C'est une vidéo ménage, donc ça doit être que des filles qui regardent. Je n'étais pas du tout jalouse. Je veux pas de réflexion et je veux pas que ça vous mette mal à l'aise. Donc voilà. Après, j'aurais pu moins le faire, mais je vous avoue, Julien est beaucoup plus doué que moi. Ça, on va pas se le cacher. Ouais, sur les trucs comme ça, je ne gère jamais. C'est lui qui fait, qui installe, qui machin. Puis moi, en fait, je suis pas logique. Donc bon. Après, je vais pas vous dire. Hein. En fait, il a besoin toujours de mon soutien. On est une équipe. Voilà, on est une équipe. Si je suis pas à côté de lui, il s'énerve, il râle, il arrive pas, il s'énerve, il casse. Oh, d'ailleurs, on va pas casser parce que. Ça, oui, pour faire ça, ça va, mais bon. Enfin... Donc là, vous avez déjà, c'est intégré dans le manche pour tenir l'aspirateur. Il y a déjà le porte-accessoire, donc ça, c'est chouette. Si on compare avec le Dyson, il y a deux porte-accessoires sous la charge et deux porte-accessoires le long du tube. Bon, ben là, ils sont intégrés ici, donc voilà. Et donc, je vais poser la station de charge au-dessus. Donc là, si on veut vérifier s'ils ont bien calculé leur coupe, c'est là besoin de vérifier le mec.
Oui, il y a besoin de vérifier, être sûr que c'est pas un prototype. On le voit passer partout, mais... Il faut vérifier la longueur et imaginer que... Ouais, je sens que tu fais des conneries. Tais-toi, Julien. Abstiens-toi. Abstiens-toi. Ah, ce que j'aime bien sur ce principe-là, c'est que pour le Dyson, tu peux poser ta brosse. Normalement, je pense que ça doit être fait pile à la bonne hauteur pour que ta brosse soit posée. Alors que sur le Dyson, bah, tu peux le faire, tu peux le faire. Mais il pend dans le... Ouais, ça pend. Nous, on l'avait mis un peu plus en hauteur, donc ça pendait. Enfin, voilà, ça fait propre, ouais. Ça prend quand même pas mal de place sur le sol. Si c'est pas mis dans un placard. Là, par exemple, c'est dans le passage, ça prend pas... Ça choque pas, nous, sur l'endroit, ouais. Mais comme ça, moi, il me choque pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Par contre, l'avantage, c'est qu'une fois qu'il est chargé, vous pouvez le ranger ailleurs. Vous voyez ? Alors que le Dyson, par exemple... Il est fixé au mur et vous êtes obligé de le laisser là où vous avez décidé que vous l'avez mis parce que sinon il se charge pas. Là c'est vrai que c'est pratique. Et il y a 4 accessoires, on a 3, 4 mettons la brosse. Ouais, du coup on va le mettre, on va tout installer, on va le mettre à charger le temps que, bah, que je fasse la, le reste en fait. J'ai pas mal de choses à faire, ménage. Vous avez l'installation et tout quoi. Et là. Alors il manque un petit peu de chou, il manque un peu de poids dans le sol. Ah. Non, mais ça va. Tu vois si. On trouve léger. C'est comme notre lampe qu'on a là. Ah oui, oui, oui. Un oui. peu plus lourd. Après, une fois que tu as l'aspi dessus, c'est bon. Hein. C'est vraiment quand il n'y a pas l'aspi. Quoi. Oui, 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 c'est le... S'il faut qu'il y ait quelque chose à dire. Il va aller chercher les petits détails. Voilà. Et donc ici, tu peux venir, ça clignote. Ah, j'allais te demander, est-ce que ça a quelque chose qui se passe ? Ah oui, là. Ah, attendez. Alors par contre, ce que je comprends pas, à mon avis, on peut avoir 2 batteries. Ah. Ah, pour en laisser une toujours en charge, tu crois ? Non. Arrête. Ah purée, attendez. Et donc en fait. Ah. Ah oui. Je crois que j'ai compris aussi. Ou peut-être qu'on n'a rien compris du tout. Voilà, c'est comme ça. Donc en fait, vous pouvez la laisser. On peut racheter une deuxième batterie. Directement dessus. Ou alors, si vous voulez faire autre chose, vous pouvez charger une deuxième batterie. Ah, c'est chouette, ouais. Du coup, vous pouvez en avoir 2. Je pense que les batteries doivent se vendre séparément, logiquement, je regarderai. Alors, on n'a pas encore testé, donc on ne sait pas s'ils affichent l'autonomie. Ah bah du coup, je ne peux plus le poser là, par contre. Bah non, mais du coup, il faut que tu le reprennes. Mais c'est bien quand tu l'utilises, tu en mets une à charger, quoi. C'est bien, ouais, pour avoir 2 batteries, ouais. c'est pas bête. Ou... Bah, c'est pas mal. Non, mais ouais. Si jamais tu veux le nettoyer et le laisser en charge pour le réutiliser, par exemple, tu peux poser ta batterie là, aller t'en occuper, le nettoyer, le vider, faire ce que tu veux. Non, ça, c'est vrai que c'est cool. Hop. C'est un truc en plus. Et donc plus. Ensuite, en fait, il y a 2 boutons là. Et non, c'est pas comme ça. Attendez, il découvre, laissons-lui le bénéfice. Hop, c'est comme ça. C'est du Tetris. Non, c'est pas comme ça. Est-ce que tu veux que j'essaye? Oui, ça paraissait logique voilà, en fait. C'est la prise en main. Bah oui, on t'en voudra pas. Et voilà, on le met comme ça et ça charge. Alors je vais juste remettre ça comme ça ne tombe pas au milieu. Vas-y, bon du coup, j'ai pas regardé pour qu'on regarde la durée de... Mais du coup, alors, durée de charge, 2h, 2h30, ça va. Ah, ça c'est bien sous les meubles. Non, non. Sous les meubles, c'est vachement pratique du coup. Vous pouvez voir pour nettoyer. Attendez, il est même pas. C'est lui qui va faire la routine. Bon, par contre, il pourra peut-être allez, pas les soucier. Mais... Là, on vous a vu. Mais... Oui, Julien. Il est parti par là, il faut la rattraper. Oui. 2 roues motrices. 110 chevaux. T'as déjà pris de la poussière? Oh là 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 là! 2 secondes quoi! Wow. Un tour sous le lit! Un tour sous le lit, ça y est! Bon, j'ai hâte de le tester. Bon, j'ai pas encore fait le lit, hein, vous avez vu.
Allez, c'est pas ton joujou, ouais, par ça contre, je suis trop contente, c'est qu'il ne se fixe vraiment pas au mur. Donc c'est-à-dire que quand c'est chargé, si vous voulez plus la rendre dans le couloir, et je pense que c'est ce qu'on va faire, on le rangera en fait une fois qu'il est chargé dans le placard. Dans le placard, oui, tu l'as chargé. Comme ça, on n'a pas besoin qu'il soit fixé là, il n'y a pas de place. Et ouais, et c'est nickel. Ça a été envoyé en différé. Mais c'est toujours avec la marque Ultenic. Pas... Oui, c'est pas du tout avec. Oh, y a, attendez. Alors déjà. Oh. La petite gaine. Après, c'est... franchement, c'est chouette quand vous avez des animaux qui aiment être brossés. Je pense que ça peut être cool. Wow. Ouais, ce sera pas pour Yann. Hein. Pour un gros animal, ça. Hein. Un gros animal ou un gros animal. Gros animal. Un gros animal. Non, après, bon, à tester quoi. Ouais, moi je veux Yana, t'as monté. Ah non, c'est vrai, c'est nous, j'avais peur que ce soit un truc qui pique. Bon, ça a piqué un petit peu quand même. Ouais, je pense que pour un lapin, c'est un peu disproportionné. Non, je pense pas. Ou alors, il faut vraiment des gros lapins, ceux qui ont des gros lapins. Ouais, des gros lapins, moi je le testerai pas quand bon, même. Bon, je vais faire. Bon, là, je vais aller nettoyer les plaintes. On n'a pas encore nettoyé nos plaintes en fait, depuis qu'on est là. On a récupéré notre salle à manger il y a une semaine à peu près. Le pain, enfin. Fini de pain, il y a peu de temps. Et donc, c'était un peu compliqué parce que moi. Je vous parle, mais vous voyez pas. C'était un peu compliqué parce que moi, j'étais allergique à la peinture. Donc, autant vous dire que c'était un enfer. Je ne pouvais pas rentrer dans le salon cuisine. C'était très compliqué. Donc voilà, bref, Julien avait passé un coup d'aspi, on avait réussi à me poser les meubles, mais pour vraiment en profiter, c'était compliqué. Là, ça va mieux, je commence à pouvoir respirer là-bas. Du coup, je vais nettoyer les plaintes, je vais mettre juste de l'eau chaude avec du vinaigre blanc et une microfibre. Et je vais nettoyer les plaintes comme ça, je pense que ça suffira. Et si ça suffit pas, je mettrai du savon noir. Voilà. Après, de l'eau chaude, pas hyper chaude, quoi, un peu d'eau tiède. Alors pour les dosages, sachez que je fais toujours à l'œil, hein, vous me connaissez. Moi c'est toujours à l'œil. Voilà. C'est parti. Bon, je sais pas si vous voyez, je suis assise par terre. On n'a pas encore de map télé ici, hein, donc c'est posé sur la table basse. Et voilà, les anciens propriétaires de la maison devaient fumer. C'est-à-dire que toutes les plaintes, toutes les murs étaient jaunis, tout était. Les plaintes jaunies, vous voyez, on voit la différence avec la couleur du mur qui est blanc. Les radiateurs, on les a frottés aussi, enfin, c'est tout pas beau, quoi, c'est tout jaune. Donc là, je vais juste frotter avec ça, et si ça va pas, je vous ai dit, je mettrai du vinaigre, du savon noir. Et sinon, de la lessive de cendre. J'ai une amie qui fait de la lessive de cendre, mais elle la vend localement en Alsace. Et du coup on a nettoyé les radiateurs avec ça l'autre coup et c'était plutôt pas mal. Donc si jamais ça fonctionne pas, j'utiliserai ça. Bon, du coup je fais ça par terre, j'ai nettoyé donc une petite partie, je vais continuer, je vais faire le tour. Du salon comme ça, hein. Je reprendrai. On se retrouve avec Conchita. Alors Conchita, le jus de chaussette, il est bon ou pas? J'ai fait la moitié même pas du salon. Hein. Du bon jus de chaussette pour. Je vais aller le vider, ça me dégoûte un peu. Après le repas. Et je vais aller une nettoyer. Bonne digestion. Fatigue. Jus de chaussette fait par Conchita. Alors non. Conchita, ce jus de chaussette du nouveau chez nous, il est bon ou un peu plus corsé? Je vais le mettre dans ton verre. Bref, du coup, ouais, le vinaigre blanc c'est pas mal. Hein. Alors, qu'est-ce que t'as frotté, Conchita? Dis-nous. Bon, j'ai frotté là. En fait, j'ai même pas frotté longtemps, un petit coup rapide. Donc, elle est allée porter plainte. Et j'ai fait un peu les contrôles des fenêtres de ça. Donc, vous voyez, pour la routine ménage, vous prenez une éponge, un chiffon, du jus de chaussette, un bras dynamique.
Et puis. C'est pas mon bras, ça. Et vous frottez. Dynamique. Attends, j'ai pas vu le laveur après. Ah mince, bah t'inquiète pas, il y a d'autres fenêtres à nettoyer. Voilà, on voit pas bien, c'est, voilà, vous voyez, ça brille de mille feux. Il faudra que je change. Oh là là, vous avez vu là, la petite étincelle tellement ça brille. Oh, Conchita, elle fait pas semblant, hein. Quand elle nettoie. Ça va. Attends. Parce que, qu'on soit bien clair, ça c'est le ponçage, hein, après le meurtre, hein, qui a pas encore été nettoyé, sinon ça reste pas comme ça. Et voilà, Conchita, on voit pas bien, bon, c'est fermé, on est en contre-jour, mais vous voyez. Quand Conchita passe, les tâches trépassent. Papa, tu peux se mettre maman. Alors, excusez-moi, je reprends mon rôle de papa. Je vais passer un coup d'aspipe sur le sol qui est vraiment cracra. Mais il nous faut de quoi nettoyer, le laver en fait. On n'a plus de linge, il faut qu'on en trouve. Voilà, donc. Bon, ça reste là pour l'instant parce que dedans on a des étagères et des plinthes. Julien devra fixer les plinthes aujourd'hui et les étagères au mur. Ah oui, j'ai oublié, il faut que je fasse un petit coup de poussière sur là-bas. En fait, on n'a pas encore notre meuble télé, donc pour le moment, c'est une table basse. Et on n'a pas de table basse, on a un tabouret. Enfin bref, on a tout commandé, on attend de tout recevoir, mais les délais de livraison sont assez fous, donc pour l'instant, ça reste comme ça. Donc c'est parti. Maintenant, on va faire avec l'aspirateur, avec la petite brosse comme ça, pour aspirer le canapé. Donc, on est parti pour le canapé. Bon, c'est parti. Bon, ensuite du coup on va nettoyer le canapé, j'ai pris un petit chiffon d'eau. Mais en fait, j'ai aucune idée de savoir si ils sont descendus ou pas du tout. Je crois que vous pouvez noter, j'ai pu battre. Je suis un peu déçue, j'avais fait une belle clôture et en montant la vidéo je me suis rendu compte que ça n'avait pas marché, donc je recommence. Donc je vous expliquais que j'ai pas pu vous montrer tout ce que je voulais vous montrer parce que la vidéo était déjà bien longue, donc il a fallu que je coupe des passages, hein. Clairement c'était pas possible autrement, mais par contre si ce genre de vidéo vous plaît, c'est possible que je vous fasse plusieurs petits vlogs comme ça, ménage, rangement, enfin vous voyez, tout petit à petit. Je voulais aller dans le jardin pour avoir un coin tranquille parce que Julien est en train de percer et mettre des étagères. Donc voilà, je suis dehors mais je pense qu'il y a un petit peu de vent, puis il y a la route, on est un peu l'heure de pointe là. Voilà, et j'ai même trouvé une lima, il y a deux limas qui sont en train de se régaler de la salade.
Cette année, le potager, on n'a toujours pas pu en profiter. Hein. C'est les limaces qui mangent nos plants. Bref, je vous disais donc, avec le code Lady and Mum, je vous le mettrai ici, vous avez droit à 10€ sur votre achat. Donc si vous voulez craquer et acheter l'aspirateur. On l'a testé encore un petit peu. Julien a passé l'aspi à l'étage ce matin en puissance maximum. Il n'a pas pu faire tout l'étage en puissance maximum. En puissance classique, il peut, mais en puissance maximum, il peut pas. Voilà, petite info. Donc je vous mets les liens du modèle en barre d'infos, il s'achète sur Amazon. Je ne suis pas du tout payée pour vous en parler. J'ai reçu gratuitement l'aspirateur et je remercie d'ailleurs la marque Ultenic parce que c'est trop cool. C'est trop sympa de leur part et en plus, moi comme je vous disais, c'est trop bien d'avoir un aspi par étage quand vous avez une grande maison, c'est pratique. Mais si j'en avais pas eu un deuxième, ça aurait été très bien aussi, on est d'accord. Mais voilà, c'est une chance et d'ailleurs je vous remercie parce que c'est grâce à vous. C'est ce que je vous expliquais dans la clôture que j'avais fait. C'est grâce à vous si j'ai été contactée et si j'ai eu la chance de tester et de recevoir cet aspirateur gratuitement. Donc merci à vous, merci de me suivre et d'être toujours au rendez-vous. Voilà, donc écoutez, je vous mets le code là, le lien en barre d'infos. Et j'espère que cette vidéo qui change un petit peu d'habitude vous aura plu. Vous avez dû le voir hier, j'ai mis deux vidéos, si ça a fonctionné, pour pouvoir être plus ou moins dans l'ordre et je vais pouvoir vous remettre des vlogs, ça me manque et je suis trop contente de vous retrouver. Je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye !